Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza, donc pour l'épisode 17, donc on va charger la partie. Alors je me rappelle plus exactement où est-ce qu'on s'était arrêté, donc je vais charger, puis ça va me rappeler où on en était et je ferai un petit rappel. D'accord, donc on commence à la planque, donc je crois que ça me revient... Ouais, c'est bon, ça me revient. Alors en fait, dans le dernier épisode, donc on a récupéré Haruka, qui était capturé par Lao Ka Long, je sais pas quoi, un chinois mafieux, un méchant, qu'on va dire, pour simplifier les choses. Et donc du coup, après, on a voulu retourner au Serena, et on a appris ici, par le biais de du détective Tate, il me semble, que Reina, en fait, balançait notre position, en fait, quand on faisait des déplacements et tout, et donc du coup, Nishiki était toujours au courant, et en fait, on a appris qu'elle était amoureuse de Nishiki. Et donc du coup, elle a laissé un message sur place, et elle a dit qu'en fait, là, elle allait rejoindre Nishiki pour le tuer, en fait. Sauf que bon, d'après ce qu'on a compris, là, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Where are we going? Alors, monsieur, reviens sain et sauf, s'il te plaît. Yeah. Et là, je prendrai soin de Haruka, ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de te mettre en route. Voilà. Donc là, pour une fois, on y va solo. Et donc, du coup, bah, on va essayer de sauver, Reina. Et aussi, Shinji. Parce qu'il me semble, de mémoire, il y a aussi Shinji. Ouais, voilà, c'est ça. Trouver Shinji et Reina. Alors, oh putain, je crois qu'il y a déjà des bugs graphiques sur les côtés, là. C'est mal parti. On va changer d'angle de cam pour voir. Oula. Il y a une quantité incroyable de sang ici, c'est celui de Shinji. Ah oui, parce que c'est vrai, Shinji est venu en aide à Reina, je crois, il me semble. Alors, je regarde juste mon inventaire avant. Bon, ça va, je suis quand même pas trop mal équipé. Qu'est-ce que je pourrais faire avant? Bon bah déjà je vais suivre les taches de sang parce que on sait pas où ils sont du coup, mais les taches de sang vont nous aider à trouver. Alors il y a un méchant. Attends un peu, t'es pas le pote de Shinji Aniki? C'est pas ton jour de chance, je te laisserai pas aller plus loin. Parce qu'en fait je pense que je vais profiter du chemin pour acheter 200 supplémentaires en fait. Alors, donc ça c'est un gangster de la famille Nishiki du coup. Enfin, c'est des gangsters. Allez, relève-toi. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, la musique a un petit peu changé. Donc ça, je trouve ça cool, parce que du coup, de temps en temps, ça permet de renouveler un petit peu le son, quoi, on va dire. L'ambiance sonore. Puis, elle est pas mal aussi, celle-là, j'aime. J'ai pas le mode fief, dommage, je l'aurais bien achevé à coup de vélo. Ah salope. Les gars, ils m'enchaînent. Genre, putain, il y avait la touche triangle en plus. Oh là là, je me fais violer. Hein. C'est des coups bêtement, ça, en plus. Voilà. Reste au sol, salopard. Voilà, du coup, je vais devoir acheter plus de sang de prévu, du coup. Je vais peut-être passer à un restaurant pour regagner de la vie directement. Et il est allé où, Shinji? Shinji Aniki a pris la fille avec lui et il est parti en direction du théâtre. De toute façon, je pense pas qu'il puisse semer tous les gars qui sont à leur poursuite.
Autant dire qu'il est grave dans le caca, hein, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? J'ai vu un homme en manteau courir en portant une femme pleine de sang dans ses bras. Ils devaient être en train de tourner une série, un truc comme ça. Ils sont allés vers le quartier champion. Ah ah, merci de l'information. Alors, on va se prendre une petite glace pour remonter notre vie. Alors, on va prendre une 3 boules parce que là, je pense que sinon, niveau soins, ça va pas aller. Ah, même ça, ça soigne pas beaucoup. Je vais peut-être aller bouffer ailleurs, du coup. Et bon, ça me permet de gagner un petit peu d'XP. On va aller au restaurant d'en face. Ah, donc ça, on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah, elle, je pense, ça devrait suffire. Ah, nickel. Et 50 XP, c'est parfait. Donc là, cette phase, par contre, va être assez compliquée. Donc c'est pour ça que je veux vraiment être équipé en soins, en fait. Alors là-bas, il y a l'infirmerie, donc je vais aller là-bas directement. Enfin, l'infirmerie. La pharmacie, plutôt. Il y a plein de monde à qui parler, là, sur la route, mais je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant à nous dire. Une femme était en train de courir, mais bon, ça, on l'a vu. Apparemment, ils allaient vers le purgatoire. Donc, non, pas vers le purgatoire, vers le quartier champion. Alors, l'entrée, par contre, elle est là. Alors. Je pense qu'on va prendre du royal. Hein. Merde. J'avais oublié que là, fallait sélectionner le nom. Bon. Voilà. Parfait. Merci monsieur. Au revoir monsieur. On aurait dit que c'était des rouleaux de PQ à l'entrée. Je sais pas si c'était ça. Alors bon là, en tout cas, il n'y a pas de tache de sang, donc ils sont peut-être pas passés par là. Écoutez voir, j'ai quelques infos bien utiles. Ça vous dit de me les acheter? Pour Fukuzawa. 30 000 Bon allez. C'est jamais, hein. Banco, merci, alors voilà l'info. C'est à propos d'un vidéoclub au nord. Le truc, c'est qu'ils ont un petit bis pas vraiment officiel. Qu'est-ce qu'ils vendent? Bah ça, pour le savoir, faut aller voir le vendeur et lui demander. Femme au foyer attachée, désir de corde. Je peux pas vous en dire plus. Déjà, le gars, il se tape des barres, donc je m'attends au pire. Bah, vous découvrirez le reste quand vous lui direz ça. Ok, alors j'y penserai quand on aura résolu cette affaire. Oh, putain, les bugs graphiques, s'il vous plaît, m'embêtez pas. Donc ouais, quartier champion, mais je crois même pas que ça se passe là, en fait, en vrai, mais bon. J'y vais quand même. Là, il n'y a personne à qui parler, donc c'est mauvais signe. Mon avis, ouais, c'était pas là. Je sais plus exactement où c'est, mais si vous vous rappelez, il y avait une... Je sais plus c'était à quelle vidéo, par contre. Il y avait un mec qui voulait suicider, là où il y avait des échafaudages et tout, et on accédait à l'étage. Et il me semble que là, notre objectif, c'est aussi d'aller à l'étage d'un bâtiment ou quoi. Donc, tiens, il y a du sang, là. Encore du sang, on dirait que le saignement a augmenté, c'est pas bon signe. Ouais, mais vous pouvez pas me dire où ils sont, là? Ça m'aiderait. Pas quelqu'un qui parlait, là? Ah, il va peut-être me dire quelque chose, même si je crois que d'habitude, il est déjà là, même. Alors.
Il vaut mieux essayer. Oh putain, il dit toujours la même chose. Peut-être par là-bas il y aura quelqu'un. Enfin bon, je vais y retourner par là déjà, parce que sinon je vais tourner en rond. Ah, lui il va peut-être me donner des trucs. Les membres de la famille Nishiki poursuivaient obstinément une femme. Un certain Arase est aux commandes de la chasse à l'homme. C'est un officier de la famille Nishiki et il est connu pour être un fétichiste des flingues. Ok. Sympatoche. Bon, ça m'aide pas beaucoup, mais il me semble que c'était là-bas le chantier. Alors, est-ce que c'est là? Je sais pas, mais j'y vais. Évidemment, je me tape une racaille. Tu veux ma photo, connard? Tu cherches à te faire cogner ou quoi? Ce serait marrant, ça, si on pouvait prendre en photo nos victimes. Après, on se fait un petit album de mecs victimisés. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Non, genre, j'appuie sur quoi pour toi? C'est quoi par terre, là? J'arrive pas à voir ce que c'est par terre, mais j'aimerais bien le ramasser. Ah, c'est un pied de biche, d'accord. Ça doit faire mal, ça. Voilà, ça c'est bon. Ah dommage, je voulais taper contre la bagnole, mais... Normalement on peut le faire hein, sur le capot et tout, mais là, j'ai pas vraiment de chance. Voilà. Bon, j'espère que la récompense sera bonne, parce que j'ai pris pas mal de temps à les claquer, ceux-là. Et ça serait bien que je trouve long chemin aussi, parce que il me semble que c'est une phase assez longue, et si là on est déjà à 13 minutes de vidéo, ça va pas le faire. Et pitié de moi, s'il te plaît, vous avez obtenu un sabre. Ok, on s'en fout. Ouais, donc moi je pense que c'est par là, à gauche, on va tenter. En vrai, j'en sais rien, mais vu que je sais que là on peut aller en haut avec l'histoire du suicide, je me dis que peut-être ici ça va. Comment ça va? Monsieur Kazuma Kiryu, je présume, l'ex-soldat de la famille Dojima du clan Tojo. T'es qui? Je suis honoré que vous me posiez la question. Je suis d'avance désolé si mes mots vous importunent. Laissez-moi me présenter, je suis né dans le quartier d'Asakusa à Tokyo. Mon oyabun est Kyozo Atobe, le troisième chef de la famille Atobe. Mon nom est... Merde, j'ai zappé truc. On m'appelle plus généralement Ichi. Bon, moi, ça a changé de nom, donc on l'appellera Ichi. Ah, c'est pas le mec qui va m'aider à trouver des bons plans pour gagner de la thune. Comme vous pouvez le voir, je suis tout en bas de l'échelle et j'ai besoin de la protection de mes frères et sœurs. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Mais Teki me l'a déjà dit, non, on va peut-être plus faire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'un gars de la famille Atobe peut bien me vouloir? Eh bien, je suis heureux que vous me le demandiez. Putain, le mec, il est enthousiaste, mais à mort, on dirait un commercial, quoi. Si je puis parler franchement, nous ne pensons pas que ce gamin Takashi ait réellement les épaules assez solides. De ce fait, j'ai été envoyé ici pour le surveiller. Puis je n'ai aucune idée de l'endroit où ils peuvent être. Alors, je voudrais que vous m'aidiez à les trouver tous les deux, Kazuma-san. Vous connaissez très bien cette ville, et je serais honoré si vous vouliez bien m'aider à les trouver. On va dire ok. J'étais sûr que vous accepteriez, Kazuma-san. Vous êtes un homme... Merde. Pourquoi j'appuie sur croix alors que j'ai même pas fini de lire. Dans ce cas, si par hasard vous veniez rencontrer Mademoiselle Kyoka, veuillez lui demander de donner ceci au gamin. Vous avez reçu une paire de tasses de thé à Machiko.
Elle saura ce que cela veut dire quand vous lui donneriez. Kazuma-san, je compte sur vous. Ok. Enfin, il me semblait que c'était le mec qui me trouvait des bons plans, mais je me rappelle pas de cette quête où il fallait donner une tasse à une meuf. On verra bien. Déjà, faudrait que je la trouve. Par contre, il parle de Takashi, mais de mémoire, ça, ça me dit rien. Donc. Voilà, bon, j'ai essayé de faire ça au plus vite. J'ai pas trop pris trop de coups, ça va. Après, excusez-moi si je parle pas beaucoup pendant les combats, mais après, ça reste un combat, quoi. Je vais pas faire genre commentateur de télévision, quoi. Donc voilà, quoi. Alors, je suis une merde, oui. On avait remarqué. C'est bien, tu t'en es rendu compte, c'est cool. J'aurais bien aimé que tu me donnes de la thune, par contre. Bon, est-ce que je vais trouver ou pas? Ah, mais c'est là, je crois, non? Et ouais, c'était là où il y avait le chantier, donc c'est peut-être ici. Alors. Je vais parler au bonhomme, il va peut-être m'aider. Tu vois Purgator? Mais non, mais je m'en fous de Purgator, c'est pas là. Il y a peut-être direct la porte d'entrée, parce que là, on voit qu'il y a une bagnole. Ouais, il y a plein de bagnoles, donc ouais, c'est là, c'est sûr. Ça, c'est les bagnoles des Yakuza. On peut trouver l'entrée, maintenant. Ah, c'est ici. Méga complexe, les traces de sang mènent à l'intérieur, Shinji doit être ici. Et là, c'est parti, il va y avoir 36 milliards de bonhommes. Allons-y. Shinji. Alors. Aniki, je me dirige vers le croix, je crois. Et faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur croix à l'avance. Moi. Mais à ce rythme, ils vont nous rattraper très bientôt. D'accord. J'arrive, tiens bon. Alors par contre, c'est labyrinthique à mort ici. On va fouiller un peu, parce qu'il suffit qu'il y ait des objets ou des clés. Voilà, il suffit que j'en parle. Nickel. Donc ouais, là il y a des escaliers. Je vais quand même voir les autres pièces. Ah putain. C'est un peu le bordel, des fois le changement de caméra. Oh, j'aurais bien ramassé le couteau, moi. Ça m'aurait fait une arme en plus. Soit plus, je crois que j'ai de la place pour en mettre, donc... Dommage, dommage. Et là, c'est quoi, ici? Rien du tout. Ok. En tout cas, il y a plein d'objets par terre qui pourraient éventuellement m'aider si je devais affronter des ennemis. Donc là, du coup, on va monter... Est-ce que Shinji et Reina auraient monté ces marches? Bonne question. Yeah, we're at the building where there used to be a famous hostess bar. Shinji's with that broad and they ran up to the roof. Right now, I'm gathering all the people who are looking for him. You guys need to get your asses over here. What? Arase Aniki? Fuck, this ain't good. He shows up, this place is gonna turn into a major bloodbath. We gotta finish this shit before Aniki gets here. Anyways, hurry the fuck up. All right then. Hey, found him! Don't even think about running. Allez, c'est parti. Donc le fameux Arase Aniki, là, il va bien nous péter les couilles en fait. Parce que vous en doutez bien, ils disent faut qu'on finisse avant qu'il arrive, mais évidemment il va arriver. Et ça va être une horreur, hein, parce que lui il est bien casse-couille, et comme ils ont dit, c'est un fétichiste des flingues. Je
j'aurais peut-être précisé ce... ce terme, mais c'est vrai que oui, je confirme, il aime bien les guns. Et c'est un peu ce qui fait sa difficulté, en fait. C'est tout. Je m'attendais à plus de mecs. Ils vont peut-être venir petit à petit, puisque là, vous voyez, on est toujours en mode combat. Donc ça veut tout dire. C'est quoi, ça? On dirait un rouleau de... je sais pas... de... c'est un parapluie. Ça peut servir d'arme. Donc là, on voit sur la minimap, il y a du monde. Donc, ouais, bon, on va devoir se les taper, hein. Je crois que c'est par là. Donc en fait ici ça a abandonné, hein. Avant c'était un truc de striptease, je crois, il me semble, c'est ce qu'ils ont dit. Donc maintenant c'est à l'abandon. Allez, un de moins. Toi tu vas venir par là, là au lieu de rester planqué dans ton coin. Dans vos gueules. Pour une fois, j'ai réussi un coup de pied sauté. Voilà, c'est bon. Je sais pas ce qu'est le truc multicolore. Hein. Je vais juste regarder. On peut le prendre. C'est quoi? Ah, d'accord. Je voyais pas le truc comme ça. Allez, on continue. Toujours plus haut, bien sûr, vers l'infini et l'au-delà. Alors. Apparemment, on peut monter direct, on dirait. Ouh, là, carrément un marteau de forge. Faut mieux pas se manger, ça. Ça a l'air de faire très mal. Puis ce qui est bien, c'est que ça a une bonne durée de vie, aussi. Le bordel, ils sont dans les portes. Lui, il a pas dû kiffer. Je me vois même plus. Chope-le. Voilà. Ça c'est bon. On va essayer de rentrer là-dedans parce qu'on voit pas grand chose sinon. Voilà. Ok. Ça c'est quoi? Pied de micro, ok. Allez. On va se faire un petit karaoké. Alors faut savoir que le karaoké c'est aussi un mini-jeu, mais il est pas présent dans celui-là. Ou à moins qu'il y ait, mais il faut réussir à le débloquer en faisant telle quête. Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, dans les prochains Yakuza, il y a un mini-jeu avec le karaoké. Donc ça doit être assez marrant de voir Kazuma chanter. Étant donné que c'est un peu le mec badass et tout. Je suis curieux de voir ça quand même. Hop là. J'aime bien, il y a le bruit du micro, genre. Pied de biche, ah bah c'est parfait ça, il m'a donné notre arme. Alors c'est quoi ici? Vous voyez, ils sont vraiment tous équipés en armes là, donc faut mieux y aller en mode bourrin. Voilà. Peut-être prendre la batte de baseball après. Enfin, quoique il reste 4 points de vie, parce que ça fait pas mal de dégâts cette arme, n'empêche. Alors après. Laisse-moi passer, voilà. Ouais, ferme la porte, c'est ça. Allez là.
Putain, je reste coincé dans la zone, quoi. En mode campeur. Voilà, vous kiffez, là, hein. Hop, hop, hop. Merde. Oh là là. Au sol, vieille merde. Canette de bière. Enfin, c'est plus une bouteille, mais bon. Qui c'est qui a envie de boire, là? Le vieux coup de pied bourrin. Hop là, toi tu me laisses tranquille. Ah merde, ah putain, ça m'énerve quand tu fais ça. À chaque fois, je suis prêt à appuyer sur triangle pour mettre un coup de pied. Non, laissez-moi me relever. Putain, c'est pas possible, hein. J'ai beau appuyer, y'a pas moyen. Évidemment, là c'est le gangbang par deux connards. Voilà, ça c'est bon. Toi t'as plus de vie. Voilà. Hop là. Voilà, c'est bon. Putain, c'est qu'il y a du monde là-dedans. Putain, ouais, l'autre il a un katana en bois en plus. Aïe. Allez, donne-moi ça. On va jouer avec. Putain, enfoiré. Allez, on défonce la mâchoire. Voilà, tu m'en diras des nouvelles. Hop là. Alors, la suite, ça doit être par là. Alors, je sais pas combien il y a d'étages dans l'immeuble, par contre. Ça, c'est une très bonne question. Si vous vous la posez, je ne sais pas. C'est pas par ici. Alors, c'est marrant parce que là, le mode fièvre, il augmente si vous regardez en haut. C'est assez étrange parce que normalement il baisse, hein. Quand il n'y a pas d'action, il baisse forcément. Et là, non, il a envie de monter, pourquoi pas. Hop là, moi je prends le club de golf. Hop là. Je vais me soigner parce que là je suis à ras les pâquerettes. Voilà. Hop là, nickel. J'ai récupéré le petit tube qui va bien. Enfin, le labyrinthe ici. Il n'y avait pas du soin, hein. Merde. Ah putain, ils vont m'enfermer. Il semblait qu'il y avait du soin à récupérer. Moi, j'ai marché dessus sans faire exprès, je sais pas. J'ai pas fait gaffe. Oh putain, ça y est, j'avais oublié. Il commence à avoir des flingues là, ça va être bien casse-couille pour nous. Ça casse les couilles, ça les gun. C'est de l'anti-jeu à mort ce truc. Putain, mais regardez-moi ça, je peux rien faire. Je peux même pas faire un enchaînement sans prendre une balle. Toi ça, connard. Allez, dans vos gueules. Allez, mais non, on est pas dans le son. Oh là là. Ça, c'est vrai que quand t'as des flingues en face, c'est horrible. Heureusement qu'on n'est pas dans la vraie vie, parce que je serais mort depuis bien longtemps. Mais...
Ça suffit pour être galère. Voilà. Flingue de merde. En plus, on peut tirer qu'une fois avec, hein. Mais eux, évidemment, ils tirent autant de fois qu'ils veulent. Ça, la petite différence. Alors, je reprends ma barre de fer. Bon, là, ça va, ils ont pas de flingue, ceux-là. Fais moins les malins, hein, sans arme à feu. Alors. Voilà. Je gagne de l'XP, donc c'est pas plus mal. Voilà. Allez, on continue. Il n'y a pas un objet en particulier. Là, tiens, une table. Allez, hop, j'embarque ça avec moi. Qui c'est qui veut un coup de table? Putain, ils ont des tubes en fer. Aïe. C'est bon, tous les deux KO. Et là, c'est marrant, la fièvre est redescend, par contre. Je comprends pas trop le fonctionnement à cet endroit-là. Moi, que c'est pour nous aider, des fois, je sais pas. Par contre, là, je descends, donc c'est pas vraiment ce que je veux. Là, c'est fermé, mais là, j'en viens. À moins qu'il y avait un autre escalier. Je sais pas trop. On va retourner en arrière, voir, mais c'est bizarre, ça. Ah, bah, le voilà, le son. J'ai dû passer le vent. On va l'utiliser direct. J'en ai bien besoin. Voilà. Ah mais non, c'est celui-là qui monte. D'accord. Je sais pas comment je suis démerdé. Alors là, ça y est, j'arrive sur l'étage. Pas tarder à se taper le big boss. Donne-moi ton flingue. Voilà. Ah non, c'est là. Ouais. Ah oui, merde, faut appuyer sur quoi, mais je suis con. Si je vois pas qu'il y a ça de marqué, j'risque pas de y arriver. Là, il y avait pas un soin ici. Voilà. Petite recharge d'énergie. Là par contre ma vie à mon avis elle va défiler ici. Parce que je crois que c'est dans le jeu original. Enfin dans le jeu original, pas dans le jeu original, mais je me comprends. Putain les mecs on les voit même pas. Bouge-toi ça. Allez, lève-toi. Voilà. Donc je disais, pas dans le jeu original, mais c'est quand j'ai... Dans ma partie originale, plutôt, dans ma première partie. Ici, j'ai dû changer le mode de difficulté du jeu, parce que j'y arrivais pas. J'avais pas assez de vie, en fait. J'avais pas prévu que... Bah, forcément, je connaissais pas le jeu. Je m'attendais pas à avoir une telle zone de jeu, avec autant d'ennemis à péter et tout. Et du coup, je m'étais retrouvé sans soin. Et vu que ça faisait un petit moment, j'avais pas sauvegardé, bah, je voulais pas tout me retaper. Et donc du coup, j'ai essayé, hein. J'ai fait je sais pas combien d'essais, j'ai pas réussi. Et en fait, déjà au bout du deuxième ou troisième essai, on te propose de jouer en mode facile. Donc du coup, bon bah au début, je me suis dit, oh, ça serait quand même dommage, pour l'instant j'y arrive bien. J'ai essayé, je sais pas combien de fois, puis à force, je me suis dit, bon bah tant pis, sinon j'ai resté bloqué. Donc, je suis passé en mode facile, sauf qu'après, bah, c'est fini. Une fois qu'on a commencé à passer en facile, on peut plus atteindre le mode normal. Donc, du coup, j'ai été un peu deg, mais là, vu que j'ai du soin sur moi, normalement, je devrais pouvoir rester en mode normal. Ils ont la patate dure. Hop, hop, hop. Oh, et ça va, les boxeurs, hein. Il
mets lui un coup dans sa gueule. Allez, mange-toi ça, il voulait me taper derrière. Crève, voilà. C'est bon. Genre, putain, enfoiré avec ton flingue, toi. Non, c'est souvent les petits qui ont des flingues en plus. C'est vraiment le cliché, quoi. Le mec fragile, donc pistolet. Quoi. Voilà, ça c'est bon. Il y a pas un petit soin dans la zone, là. Ça, c'est la prochaine étape. Je vais faire le tour, juste voir s'il y a du son. Non, y a rien. Tant pis, tant pis. C'est fermé, ça? Ouais. Bon, bah, du coup, on grimpe. Je crois que c'est la dernière phase, il me semble. Il me semble. Je galère un peu à parler. Évidemment, il focus personne. Oh là là, bon, je vais prendre du soin, là. Merde. Voilà. Donc. Ça descend vite. Je vais prendre mon sabre. Ça va m'aider un peu. Ouvre-toi ça. Ah putain, il y en a encore un avec un flingue. Merde. Alors, il est où ce connard? Viens par là, toi. Connard, bouffe-le-toi dans le bide. Donne-moi ton flingue, tiens. Tu veux jouer au cowboy, mange-toi ça. Voilà. Bon, ça va, c'était le dernier là. Alors, du coup, il n'y a pas de son ici. Bon, bah, tant pis. On ramasse celui-là, ça pourrait peut-être nous aider. Et c'est par où là? Par là, bon. Stop right there. Aniki. Kazuma-san. Please, don't interfere. Fuck you. Don't come any closer. This is family business. Stay the fuck out of it. Don't you feel ashamed pointing your gun at Shinji? Isn't he your Aniki? He's at fault here. He disrespected the Oyabun. Double-crossed the family. Nishiki betrayed the Tojo clan. Who's the real traitor? Shut the hell up! Our Oyabun is everything to us. You killed your Oyabun. You don't have a right to say shit! If you want to shoot me, then do it. You have the balls to shoot Shinji, but you don't have the balls to shoot me. What the fuck you waiting for, you dumb shit? Reyna! Pull the trigger and finish the fucking job. On a mis Kazuma en colère là. Donc bah, Reyna est morte, hein, donc malheureusement pour elle, c'est dommage. Et donc cet enfoiré, il joue qu'avec des flingues et c'est parti pour l'horreur.
parce que ce mec-là, il est casse-couille à mourir. On va essayer de se débarrasser d'abord de ses deux collègues. Si j'y arrive, parce que... Monsieur arrête pas de tirer, ce bâtard de merde. Il me casse les couilles. Et ce mec, je le hais. Et en plus, il est tout le temps en train de faire des coups comme ça. Là. Faut aller, putain. Ouais, quand il fait ça, on perd max PV en plus. Viens par là, connard, je t'en mets une. Il est malin. Voilà, bouffe-toi ça. Oh là là, je vais me soigner déjà, parce que sinon je vais crever. Ce mec-là, c'est vraiment une pute, quoi, avec ses flingues-là. Alors, je crois qu'il y a un soin qui est planqué par là-bas. Allez, c'est bon, je fais un saut, quoi. Oh là 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 là. Hop là, un petit soin. Voilà, ça c'est bon. Allez, viens par là, connard. À chaque fois, il fait des roulades partout en plus. Putain, mais vieille merde, quoi. Et ça m'énerve, ça. Il fait des roulades, enculé. Allez, évidemment. Bouffe-moi ça, sale bâtard. En fait, quand on le met dans les coins, ça passe, mais encore faut-il y arriver. C'est ça le vrai truc. Par contre, j'ai oublié de me foutre en occupé sur Skype, donc si vous entendez la sonnerie, ce n'est pas vous, c'est moi. Espérons que ça va pas spammer. Putain, genre ça lui a pas tiré dessus, putain. Je suis dingue. Je vais me soigner. J'ai plus beaucoup de sang en plus. Vous comprenez pourquoi ce combat il est hyper difficile, parce que là, même si j'avais plein de sang, j'en ai plus, quoi. Donc c'est une horreur de jouer contre ce mec. C'est le chien. Mange-toi ça. J'essaie de me protéger avec le plateau, mais bon, c'est un peu de la merde. Mais là, y a plus de vie. Ah, et puis chaque fois qu'il fasse ses petits coups de pute, là... Bouge pas, reste là... Non, il me casse les couilles. Je vais y aller direct, parce que sinon je vais pas y arriver. Dans ta gueule. Tiens, mange. Salopard. Dommage. Ah putain, la cam. C'est pas le moment de me faire des coups de pute. Allez, là, ça devait être dedans. Oh putain, si j'arrive à le coincer là. Ah, fumier. Ah, là, faut que je prenne un soin avant que je crève. Je peux l'abattre là, mais j'ai intérêt à gérer parce que j'ai plus de soin après. Mais il a plus beaucoup de vie. Hein. Voilà, dans ta gueule. En plus, il allait mitrailler à ce moment-là. C'est bon.
Aniki. I'm sorry. I couldn't. Shinji. I asked a girl named Akami to watch after Fuma Oyabu. She's my girl. Got it. Akami, right? Aniki. This is for you. Shinji. Shinji. Shinji? Shinji! Bah du coup on va s'arrêter là, hein, donc sur cette tragique scène, donc tous les deux sont morts malheureusement, on s'est dit peut-être que voilà, on arrive à sauver Shinji en combattant les autres, mais malheureusement il a succombé à ses blessures. Donc Reina et Shinji sont décédés, alors que bah, c'était des proches pour nous, hein, forcément, parce que Reina et Shinji on les connaissait depuis très longtemps, et puis Shinji aussi était un proche de Fuma Oyabun, donc... On a plus beaucoup d'alliés, hein. Ça se resserre, et forcément, bah, Nishiki, lui, il doit bien être content avec ses conneries. Donc, on va faire une sauvegarde, et du coup, on va s'arrêter ici. Parce que, à mon avis, si je quitte ça, ça va relancer une cinématique, et vu que là, on est déjà à 47 minutes, ça fait déjà pas mal. En espérant que cette partie vous a plu, n'hésitez pas à commenter, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus!